Faire une petite pause. Un petit film. Ouais. Ouais. Elle. Oh, lighter. Mais ça. Oh. Rayuk. Non, franchement, comment ils ont pu faire un film aussi nul, quoi? C'est clair. À la base, Death Note, c'est d'abord un super scénar, et là... Bah, c'est ni bon ni mauvais, quoi. Bah quoi? Déjà, c'est pas mauvais, c'est pire. Et puis cette blague l'est encore plus. Non, et puis pour faire un bon film, il aurait fallu qu'ils rajoutent encore plus d'épismes. Genre... Dans un monde. Alors déjà, en anglais. In a world driven by money and greed, a book coming from the world of the dead can change the world. Ayok, ono kore gane mashita. Nide shite wanai de. Mashite? Dota sousho. Kara. Laitu, Keiko, konnichiwa. Kira. Alors, bien ou bien? Mais il est génial ce film! Mais c'est génial! C'est quoi l'histoire? Bah en gros c'est Light qui trouve un genre de cahier. Si t'écris le nom de quelqu'un dedans, la personne meurt. Sinon, il y a elle, un genre de détective, qui essaie de le retrouver pour le foutre en tôle. Et puis, bah le reste, c'est du détail, quoi. Il y a Ryuk, le dieu de la mort, qui lui a filé le Death Note. Il sert pas à grand-chose. Misa, la bonasse, qui a aussi un Death Note. Amoureuse de Light, elle fait office de pantin. Il y a aussi son père, inspecteur de police. Il aide elle à retrouver son propre fils sans le savoir. Rem, le dieu de la mort de Misa. Des complots, des complots, des complots. Et aussi beaucoup. 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 De monologue. Il est possible que ce mec soit elle, mais si c'est pas elle et que j'essaie de le buter, alors je serai trop grillé. Il faut que je fasse en sorte de me rapprocher de lui pour pouvoir découvrir son intimité. J'espère seulement que j'aurai pas à aller dans son lit. En tout cas, au cas où, j'ai des préservatifs. Parce que oui, les enfants, il faut se protéger. Bon, tu la joues, ta balle? Hein? Ah, excuse-moi. Oh. C'est vrai que quand on commence Death Note, faut aimer la lecture. Les auteurs ne laissent pas beaucoup de place à l'interprétation et chaque pensée des personnages est soigneusement retranscrite. Je me promenais dans la rue et puis j'ai vu ce mec. Il m'a regardé chelou. Je l'ai regardé encore plus chelou. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Tu t'appelles comment? Il m'a répondu qu'il s'appelait Thomas Grignard. Je m'appelle Thomas Grignard. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé mon Death Note, il est mort. Bref, je m'appelle Light Yagami. C'est même pas un cliché. Déjà dès le tome 3, il commence à manifester des signes évidents de problèmes mentaux. C'est cette descente aux enfers. C'est cette descente aux enfers que nous aimons voir dans ce manga. Les dégâts mentaux se voient de manière flagrante sur Light. Comment on peut passer de ça à ça en à peine 3 tomes? Le dessinateur a même avoué qu'il avait du mal à le dessiner de façon gentille par la suite. L'intérêt du manga est dans le message, l'idée qu'il véhicule. Mais là où les auteurs ont été intelligents, c'est qu'ils ne prennent pas place dans ce débat et laissent le lecteur se faire son propre avis. Réfléchissez par vous-même, bande de singes de l'espace. On regrette que le manga perde de son intérêt au milieu de la série au moment où... 1, 2, 3, 4 La quéquette dure, et je crie une chanson qui parle de Dijon. Sifflez en travaillant. Cela fait déjà 10 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 4 épisodes et toujours aucune critique constructive abordant l'analyse des ouvrages. N'importe quoi. Bon,
Bon bah c'est à moi de faire le boulot. Ce que les deux losers ont oublié de dire pendant le tournage, c'est que Death Note aborde des thèmes philosophiques, et particulièrement la justice et la religion quand même. D'un côté, nous avons Light Yagami, qui par le cahier de la mort s'investit d'une mission divine, devenir le dieu d'un monde nouveau, un dieu impitoyable envers ceux et celles qu'il mérite. C'est comme ça qu'on se prend pour dieu. D'ailleurs, c'est la population qui en premier commence à croire à un dieu qui s'appelle Kira, un mot dérivé de l'anglais killer. À quoi ? Light, en tant que divinité, semble être à l'image du dieu vengeur présent surtout au Moyen-Âge en Occident. Sa justice s'abat sur l'homme de façon implacable, c'est la colère de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Mais Light ressemble aussi beaucoup au dieu antique par son côté humain, il est parfois impulsif, égoïste et prétentieux. Et il peut se le permettre, le con ! Même elle avoue que Kira doit être quelqu'un qui a la force mentale d'un dieu. Alors que Light a seulement 17 ans au début de la série. Et c'est justement son jeune âge qui le pousse à agir selon un idéal. Mais très vite, son utilisation du Death Note le fait sombrer dans une recherche frénétique de domination, au détriment de son utopie. Les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions. Et de l'autre côté, nous avons Elle, un détective renommé travaillant pour Interpol, qui se lance aux trousses de Kira. Elle est la représentation de la justice des hommes, c'est-à-dire plus au sens institutionnel, avec l'établissement de lois précises. Elle est l'exact opposé de Light, ne serait-ce qu'au niveau de leur apparence. Au final, ce sont deux sortes de génies différents. Elle est très calculateur, il évalue les probabilités. Tandis que Light est un manipulateur qui va se servir de son entourage pour arriver à ses fins. Il arrive même à utiliser Ryuk, son dieu de la mort, avec des pommes. Au passage, je trouve que cette histoire n'est pas sans rappeler Crime et Châtiment, le livre de Dostoïevski. C'est le récit d'un jeune étudiant, Raskolnikov, qui abat deux femmes suivant la thèse du surhumain imaginée par Nietzsche. Bon après, je veux pas vous faire tout un cours sur les idées du moustachu, mais je vous invite à vous y intéresser. En attendant, on va laisser finir les deux bouseux. Cela fait déjà 10 ans que le Death Note est sorti et il est toujours aussi connu. Sa popularité ne cesse de croître et la communauté est toujours aussi grande. Même un néophyte en manga semble déjà avoir entendu parler de Death Note. Au final, on essaie de vous convaincre de lire Death Note parce que c'est un très bon manga, mais soyons réalistes, vous l'avez déjà lu. Ça veut dire que ma bande-annonce... Oui, oui, ta bande-annonce ne servait à rien. Bon, j'en ai marre des adaptations de merde. Là, on va regarder une bonne adaptation de manga en film. Ah bon, laquelle ? Bah, Dragon Ball Evolution. Analysons le vice, situé dans la région oculaire gauche du sujet. Elle indique les signes avant-coureurs d'une crise de folie caractéristique des individus de cette race d'animal. Les conséquences sont parfois dangereuses, souvent étranges, et en tous les cas incontrôlables. Thierry. Bâti. Bon, je vais aller au WC, moi.